Il faut avoir la courbe pour entrer bientôt dans la ligne droite finale avec Seeking the Dream. Al Firenzi à l'intérieur, à l'extérieur, il y a Seven Oceans. Manson lancé complètement à l'extérieur. Manson avec Seven Oceans qui est également là. Manson a countability qui termine fort. Manson avec un countability. Manson à l'entrée, c'est un countability. Avec Budapest maintenant qui va passer à l'extérieur de Victory Team. Yankee Captain le plus dangereux à partir de là. Budapest, Yankee Captain, Nottinghamshire va tenter de passer en Victory Team. Et Budapest, Nottinghamshire, Yankee Captain à la lutte. Yankee Captain à l'avantage. Nottinghamshire revient à l'intérieur. Nottinghamshire, Yankee Captain, Yankee Captain, Nottinghamshire. À l'entame du dernier virage, Scott Snog va lancer maintenant son accélération à l'extérieur de Ryder Cup. À l'intérieur, il y a Memphis Mafia. Hillbro va arriver à l'extérieur. Et Scott Snog a l'avantage à Brandon Lerena. Attention à Hillbro. Hillbro à l'extérieur. Et Scott Snog. Scott Snog devant Hillbro. Dans la ligne droite finale, Bonnie Prince avec Ujo, peut-être que c'est le match ici. Ujo à l'extérieur face à Bonnie Prince côté corde. Ujo avec Bonnie Prince sur les barres. Ujo qui tente de passer. Bonnie Prince qui résiste bien. Bonnie Prince, Ujo, Ujo, Bonnie Prince racing pour Fanari fort à l'extérieur avec Bonnie Prince, Ujo, Bonnie Prince, Ujo. Avec Saïb Special qui va déboîter maintenant. Manetteran en difficulté. Il y a Newsman qui par contre va revenir en pleine ligne droite. Avec Blow in the Box. Vanside tente de revenir. Avec les autres qui cherchent le passage. Blow in the Box qui a l'avantage pour l'instant. Saïb Special. Blow in the Box. Bonjour Baby à l'intérieur. Blow in the Box avec Bonjour Baby qui termine fort. À l'extérieur, Saïb Special. Les chevaux entament maintenant le dernier virage. Avec Nordic Warrior à l'extérieur. Prince of Thieves tente de faire l'effort maintenant. Easy Lava va essayer de s'amener à l'extérieur. Prince of Thieves. Carrar à l'intérieur avec Speed Limit qui est là. Prince of Thieves avec Carrar à l'intérieur. Prince of Thieves face à Carrar. Prince of Thieves joue Carrar. Prince of Thieves, Carrar. Il y a l'entame du dernier virage. Netflix, 14 Prince Parachute Man. Il y a Disco Hall et Nat derrière Solar Star. Netflix part en pleine ligne droite. À sa poursuite, il y a 14 Prince à l'extérieur. Enab, Solar Star également termine très bien. Solar Star, Scott Snog, Enab à l'intérieur. Enab à l'extérieur, il y a Tabrik. Tabrik, Enab. 300 mètres de l'arrivée, les chevaux à bord de la courbe pour entrer dans la ligne droite finale. Maintenant, One Direction qui tente de partir. Moonrise Sensation, Perplexing est lancé, lui, à l'extérieur. Al-Shiba qui trouve également le passage. Perplexing à l'extérieur, il faudra contenir Al-Shiba. Moonrise Sensation, Perplexing avec Al-Shiba à l'intérieur. Perplexing Al-Shiba, Perplexing Al-Shiba, Perplexing Al-Shiba. En pleine ligne droite, Volatile Energy à l'intérieur, Imperial Dancer en pleine piste, il y aura Captain Spandero. Volatile Energy, Captain Spandero, lancé par Robbie Frad à l'extérieur. Captain Spandero à l'intérieur, Newsman. Newsman va dominer Captain Spandero. Newsman, Captain Spandero. En ligne droite finale, Argo Solo qui tourne en vainqueur, lancé maintenant par Richard Oliver. Racing for Fun à l'extérieur va faire l'effort, tout comme The White Road complètement dehors. Argo Solo a toujours le meilleur face à Racing for Fun et The White Road qui termine fort à l'extérieur. Argo Solo face à The White Road, Racing for Fun, Racing for Fun, The White Road est sur l'extérieur. The White Road, Racing for Fun, bonne arrivée entre The White Road et Racing for Fun. Regardez la progression de Bob Lexing qui a avalé presque tout le peloton avec Kings County, Bob Lexing, Zodiac Jack, Why Would Not You, ça va être une belle lutte en pleine ligne droite. Voilà Kings County, Perplexing arrive à l'extérieur, à l'intérieur Zodiac Jack. Perplexing va accélérer sous la selle de Swapnil Rama. Kings County fait de la résistance à l'intérieur. Kings County, Perplexing, Perplexing, Kings County, Perplexing. Les chevaux entament le dernier virage avec Rin Jani à l'extérieur, Nick Larade qui va accrocher Rin Jani, qui marque avant Charles Tiger, lancé par Robbie Fred à l'extérieur, Nick Larade. Charles Tiger, Nick Larade fait de la résistance à l'intérieur. Charles Tiger.
Future dans la ligne droite finale, il faudra aller chercher. À présent, Two Moon Junction sous la montre de Swapnilrama. Mind Blowing, Stockbroker lancé à l'extérieur. Two Moon Junction qui a le meilleur sur Stockbroker. Mind Blowing va terminer fort complètement à l'extérieur. Two Moon Junction, Mind Blowing à l'extérieur. Two Moon Junction, Mind Blowing termine fort. Two Moon Junction, Mind Blowing. Two Moon Junction avec Mind Blowing à l'extérieur. Stockbroker. Mind Blowing, Stockbroker à Two Moon Junction. Belle arrivée. Avancé dans la ligne droite finale avec Yaku, la 30, Black Cat Black à l'extérieur. En baseline, Jake qui lance également. La barrière chez les mêmes Yaku, la 30, qui est toujours là en place. Black Cat Black. Yaku, la 30. Drops, Jewel ne va pas tarder à lancer le sprint final. Attention à Wojciech, fonce sur lui, surtout à Top Royalty qui va contourner tout le peloton. Drops, Jewel en pleine ligne droite maintenant. Lance le sprint final, il a l'avantage. Attention à Wojciech, Act of Royalty à l'extérieur, termine fort également. Robs Jewel, Act of Royalty. Robs Jewel a toujours l'avantage. Act of Royalty à l'extérieur. Robs Jewel, promissory. Regardez Arctic Flyer maintenant qui va accrocher sérieusement. Captain, my captain, Roman Dancer également se met en évidence. Vision of Trust en embuscade, Overshoe, ensuite Epic Strike en pleine ligne droite. Alors il y a Arctic Flyer avec Roman Dancer qui va tenter maintenant de revenir à l'intérieur. Arctic Flyer, Roman Dancer, Arctic Flyer a toujours l'avantage. Roman Dancer revient fort à l'intérieur. Captain, my captain, Arctic Flyer et puis Strike à l'extérieur est revenu. De la rue du gouvernement, 400 mètres du poteau avec Kemal Kavour qui est toujours le meilleur. The Big Easy sous pression, Pierre Nif sera dangereux. Anté va tendre l'ouverture, Pirier quoi qu'il est, il se rapproche. Red Rain est également lancé, les choix à bord de la cour pour entrer dans la ligne droite finale avec Kemal Kavour. Pierre Nif qui passe à l'offensive en dehors, entré à l'intérieur. Pierre Nif qui a l'avantage, cependant en dehors il y a Red Rain qui est également lancé, tout comme Seven Fountains. Pierre Nif avec Castle qui va terminer en bolide, Seven Fountains en dehors. Castle qui termine fort, entré à l'intérieur. Castle avec Pierre Nif. Pierre Nif ou Castle, Pierre Nif. Seven Fountains c'est également là à l'extérieur. Les chevaux vont tourner dans quelques instants. Captain Fuller toujours en tête avec deux longueurs et demie d'avance. Modern Money essaie de revenir. Isaac se fonce à l'extérieur lui aussi. Il y a aussi Profit Report. Il y a El Saggiatore pris maintenant sandwich. Captain Fuller toujours en tête. Isaac à l'extérieur. El Saggiatore essaie de revenir vers la fin. El Saggiatore, Isaac. Isaac, El Saggiatore. Isaac, El Saggiatore. Isaac ou El Saggiatore. Isaac, El Saggiatore. Difficile de dire, Isaac peut-être, peut-être Isaac, mais attendons la photo finish, parce que El Saggiatore est revenu sur la fin.